On pourrait croire qu'accepter d'incarner une femme qui décide de travailler dans une maison close de son plein gré était un choix difficile pour Anna Girardot. Pourtant, la superbe actrice de 34 ans, héroïne de la maison d'Anissa Bonnefond, a été claire sur sa décision lorsqu'elle a été interrogée sur le sujet dans Quotidien, TMC. Elle n'a pas longtemps hésité à dire oui à ce rôle périlleux. Ce 8 novembre 2022, la comédienne avait rendez-vous avec ses partenaires pour l'avant-première et on a pu la retrouver plus radieuse que jamais sous les projecteurs de l'UGC Ciné Cité d'Halle à Paris. Habillée d'un gilet court rayé qui laissait voir son nombril, Anna Girardot a pris la pose avec la réalisatrice, à qui l'on doit précédemment le passionnant documentaire sur le styliste Olivier Rousteing, Wonder Boy. Cette fois, elle a adapté le livre d'Emma Becker qui offre un regard inattendu et déstabilisant sur le milieu de la prostitution. Dans ce long métrage pour spectateurs de plus de 16 ans, on peut aussi voir les talents d'Oratika. L'actrice était radieuse dans un tailleur avec un mini-short noir, dévoilant ses longues jambes. Gina Jiménez, 21 ans. Fille du cinéaste Cédric Jiménez, Bac Nord, novembre, et de la comédienne et réalisatrice Carole Rocher était de la partie, affichant son goût pour les œuvres ambitieuses. Était également présent Lauriane Ploupe chez Lucas Anglandé lors de cette projection. Le casting compte aussi sur les talents de Rossi de Palma, Philippe Rebaud, Yannick Renier et Nikita Bellucci. Invité inattendu, l'ancien président de la République François Hollande était de la partie en solo. Assister à la projection de ce film d'autrice ambitieux est certainement un choix que son épouse Julie Gaillet, actrice et productrice, a validé. En tournage à Lyon d'après son compte Instagram, elle a également été au cinéma mais pour un film différent, Le poignant close de Luc Hadon, avec Léa Drucker et Émilie Dequesne, Grand Prix du jury à Cannes. La maison, en salle le 16 novembre 2022.